Quand t'auras fini ta mise en pli, tu pourras mettre la bras en plus fort, connard. Oui, du coup. Bonne surprise, Melchior, si tu savais comme... Vous auriez pu même pas venir à Brabanson, je suis pas là pour trinquer, où en sont les travaux? Non mais y a pas de souci, Melchior, ça avance, seulement c'est un concept un petit peu nouveau quand même, par rapport aux anciens centres. Bon, faut bien dire que les anciens centres étaient quand même tout à fait pourraves. Hein. Sans parler de la surpopulation, les méthodes expéditives... Maton était quand même pas hyper sympa. Et c'était pas du tout européano-compatible. Non mais là on entre dans un concept totalement nouveau, c'est une nouvelle ère quoi. C'est un centre absolument moderne, avec des caméras de surveillance à peu près tous les 10 cm, qui permet une surveillance globale de l'espace, avec des chambres individualisées et qui ont vue sur les champs de patates. Des espaces communs récréatifs, un parloir où ils peuvent rencontrer leur famille, une cantine, tout ce qu'il y a de plus sympa, dans une conception résolument moderne et écologique. Bon, c'est un espace circulaire qui permet une bonne visibilité des détenus et à la fois un regard intériorisé sur comment méditer le retour au pays de façon épanouissante hein, pour les détenus. Et puis bon, pour la forme, on s'est quand même inspiré du Faucon Millenium. Donc je veux dire, c'est quand même une forme un peu nouvelle par rapport aux anciens centres qui étaient comme ça, comme des casernes. Mais n'empêche que ça devrait être prêt depuis le 22 décembre 2010, alors qu'est-ce que vous branlez? Le problème, c'est qu'on a beau humaniser tout ce qu'on peut, ça continue à puer la merde. Bah j'avais dit, pas de plombier clandestin. Vous pouviez pas prendre des nationaux. Mais précisément, c'est pas forcément les plus compétents, ça pue vraiment la merde. J'en ai rien à branler, il faut que tout soit clean pour l'inauguration. L'inauguration, mais quand? Je sais pas. C'est peut-être le premier, peut-être le 15, c'est secret. Mais il y a déjà une manif de nos bordeurs le 18. Ah, les petits salauds. Oui, alors vous vous démerdez. Mais il faut que le caracol de la mort soit fonctionnel en décembre. Eh. Sinon, moi, je vous mets dans le premier avion pour l'Afghanistan. Eh. Ça pue la